Je vais te pulvériser. Non, c'est moi qui vais te pulvériser, espèce de gros nul. Celui de vous deux qui fera le plus de ricochets avec un seul galet obtiendra le titre de champion de Flake. C'est moi le meilleur, et tu le sais. Eh ben, c'est ce qu'on va voir, gros nul. C'est celui qui dit qui est. Gros nul. Un, deux, trois. Trois ricochets pour Snore. Tu as quelque chose à dire au futur champion? Regarde attentivement, demi-portion. Oh non, 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 hein? Pitié, jure, ne me lâche pas. Mais c'était quoi ça? Y a quelqu'un là-dedans? Je ne suis qu'un pauvre petit galet innocent, je ne mérite pas ça, c'est cruel. Oui. Zéro. C'est pas juste, tu m'as déconcentré. Non, 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 non. D'ailleurs, je n'ai même pas ouvert la bouche. C'est moi le champion de Fleck. C'est moi le champion de Fleck. Je pense que Jure mérite un nouvel essai, Snore. Tu l'as perturbé en prenant ta drôle de voix. On reprend le match à zéro. Vous aurez tous les deux un nouveau lancer, d'accord? D'accord. Cette fois, tu vas bien voir qui est le meilleur. Non, moi, je vais te montrer que je suis le meilleur. Tenez-vous prêts. À trois, on les enlève. On devrait en tirer une superbe rançon, en particulier pour le fils du chef. Un, deux, trois. J'ai bien peur que ton papa chéri doive payer une jolie somme s'il veut récupérer sa crevette et ses deux mollusques. Oh, aspiration, toi que j'idolâtre, prête-moi les mots pour céder le ciel gibleâtre et les drapeaux pirates chinoirâtre. Quoi? Où ça? Il te manquerait pas quelque chose, Alvar? Devine qui retient le fils chéri du chef en otage. Oh! Gorm, la longue vue. Ah. Ah. Oups. Oh. Et qui c'est qui va me donner tout son or pour récupérer sa petite cravate? Espèce de tétard dégénéré, si tu touches ne serait-ce qu'un cheveu de vie, que je te transforme en pâté de crabe! Retrouve-moi avec tout ton butin au nord-ouest de l'île de la Mouette! Je te laisse 3 heures pour rassembler tout l'or que tu pourras trouver! Viking! Vic est en grand danger et nous allons le sauver! Qui a un plan? On n'a qu'à demander à Vic! Oui! Oh. Quel est le plan une fois qu'on se sera libérés tous les trois? Oh, si seulement Alvar était là! Ne t'inquiète pas, papa et le reste de l'équipage vont venir nous sauver. On a juste à se préparer. Jure, avance vers moi. Si vous croyez pouvoir vous évader, réfléchissez. On a compris, Pox. Cette fois, c'est toi qui as gagné. Chef, tu crois que ça va marcher? Nous n'avons pas le choix, Fax. Nous devons récupérer Vic. Et c'est tout ce que nous avons. Je sais que mon plan va marcher. Nous allons apporter ces coffres à Sven, et pendant qu'il regardera à l'intérieur, moi, je libérerai Vic, Jure et Snore. Puis vous, vous bondirez à l'abordage et nous vaincrons les pirates en les encerclant. Une fois que j'aurai la rançon, je relâcherai ces deux poissons clowns. Mais toi, tu resteras ici. Tu ne gagneras jamais! Mon papounet et ses vikings vont venir nous sauver. Et ils te feront regretter ce que tu nous as fait. C'est vrai. Et en plus, tu vas vraiment le regretter.
Oh, oh là là, j'en tremble dans mes bottes. C'est l'heure d'ouvrir la boutique. Voyons voir quel genre de butin ils nous ont apporté. Tenez-vous prêts dès qu'on les aura accostés. Reste exactement là où tu es, Alvar. Mets tes trésors dans le canot et envoie-moi juste un seul de tes hommes. Oh non ! Sinon, tu ne reverras plus jamais ton fils. Chef, comment allons-nous faire pour sauter à l'abordage et vous aider? Oh, je peux m'occuper de ces pirates tout seul. Je ferai n'importe quoi pour sauver Vic. Non, 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 pas question, pas toi, Alvar. Envoie-moi le plus faible de tes hommes. Quoi? Non, non. Ah oui! Vous êtes sûr, chef? Ne t'inquiète pas, Ulm. Je viens d'avoir une idée. Voilà ce que tu vas devoir faire. Je suis certain que papa a un plan génial. On sera libre en un rien de temps. Tu crois? C'est bien d'Alvar que tu parles. Lui, un plan génial? Ouais. Oh, oh là là. Qu'est-ce que tu fabriques, marin d'eau douce? Viens ici immédiatement, ou sinon c'est moi qui vais venir te chercher. Je suis désolé, c'est le courant! Je viens aussi vite que je peux! Vous, prenez ces coffres et voyez de quel trésor Alvar est prêt à s'acquitter pour récupérer son fils adoré. Et toi? Qu'est-ce que ça fait, hein, Alvar? Comment tu te sens sur ton petit gringalet de Vic? Alvar! Quoi? Pourquoi vous avez crié? C'est parce que nous sommes contents que mon père ait enfin payé la rançon. Comme tu es naïf. Tu crois vraiment que je vais te laisser partir simplement parce que ton petit papa m'a donné tout son or? Bon, voyons voir ce trésor. Trésor, trésor. Oh, oh non, 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 non. Pitié, dur, ne me lâche pas. Mais c'était quoi ça? Je ne suis qu'un pauvre petit galet innocent. Je ne mérite pas un sort aussi cruel. Mais quelqu'un là-dedans? Snore, prends ta drôle de voix et répète ce que je vais te dire à l'oreille. Compris. Moi, je vous le dis, notre capitaine a le cerveau aussi petit qu'un bigorneau. Lequel d'entre vous a osé dire ça? Pox! Eh ben moi, je dirais qu'il a un cerveau de plancton. Qui a dit ça? C'est pas moi. C'est pas moi. C'est sûrement... Pourquoi est-ce que tu m'accuses? Je t'ai entendu. Mais c'est la tienne, entendu, non, ce n'est pas moi. C'est moi. Vas-y, papa, détache-nous. Tenez, prenez une corne. Papa, on va aussi avoir besoin d'Étienne. Oh! Tiens, Vic. Vous voulez bien arrêter? Capitaine, les prisonniers, Quoi? Où sont-ils? Trouvez-moi ces Vikings!
Voulez-vous les poursuivre, capitaine? Alvar peut bien garder ses hommes. J'ai récupéré son trésor. C'est tout ce qu'il me faut. Tu pourras toujours t'entraîner à faire des ricochets, Sven. Poursuivez-les et jetez-moi tout ça par-dessus bord. Les pierres, tête de mollusque! J'ai pas dit les rames! Qu'est-ce que vous voulez? Les poursuivre à la nage en poussant le bateau? Ces vermines des mers vont nous échapper! Tous à vos postes, on peut encore les rattraper à la voile! On peut. Bam! Je regrette pour ton casque et tes cornes, Papounet. Ne t'en fais pas, Vic. J'aurais donné tout l'or du monde pour te récupérer. Il faut dire que ça te donne un air un peu bizarre. Tu trouves? Je crois que je peux lancer une nouvelle mode à flé.